Coucou tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée, une vidéo back to school. Au départ, j'ai répondu à la dame que je pensais pas le faire parce que pas le temps, compliqué. Et puis en fait, j'avais pas retrouvé mon trépied. Ça y est, j'ai retrouvé mon trépied, ma caméra. Donc là, ça allait beaucoup mieux parce que franchement, l'appareil photo que j'ai racheté qui fait caméra, le petit bleu que je me sers, une vraie daube, c'est un Agfa, mais il va servir vraiment que pour faire des photos parce que c'est vraiment une daube à... au niveau caméra, c'est laisse tomber. Donc du coup, le cartable de mon fils qui rentre en CE2 en Ulysse. Alors là, il y a une pochette, là il y a une pochette, et là il y a une grande pochette. On l'avait acheté à Noz, 6 € il me semble, pour son anniversaire. Alors je tourne avec la lumière naturelle, donc j'ai le soleil qui arrive de par là, donc il y a des moments peut-être vous aurez un peu d'ombre, mais je suis désolée, je peux pas faire autrement. Je tourne là pendant que la petite est à peu près calme. Donc lui il rentre en CE2 Ulysse, donc il fallait son cartable, donc on lui avait acheté, et je vais vous présenter ses fournitures scolaires. Donc là on a la tenue de rentrée des classes que j'ai rangée, je vais vous la présenter après. Donc il fallait des mouchoirs, je crois qu'il y en a une autre boîte. Une trousse. Dans cette trousse là il y a parce qu'en fait vu qu'il est en Ulysse, il va dans deux classes, donc il faut des fournitures différentes. Donc une trousse avec, là on a déjà un taille crayon. Toutes les fournitures à part la trousse, tout ce qui est fourniture d'école vient de chez marentrée.com. J'ai fait des super économies, j'en ai eu pour 30 €. Deux gommes dans cette trousse là un chiffon pour ardoise, il doit y en avoir un autre qui est dans le sac. Il fallait des Velleda. Les Velleda, je les ai pris chez Action, les 4, 99 centimes. Et il en fallait 10. Et j'en ai pris, il me semble, 16. J'ai pris 4 lots de 4. Donc, oui, 16. Des crayons couleurs. Ça vient de sur marentrée.com. C'était pas très cher. Il fallait de la colle. Et attention, la colle, il fallait. Je crois que c'est 12 bâtons. Si vous entendez de la musique en fond, c'est la petite qui regarde la télé. Elle écoute des comptines à la télé. Donc j'ai pris celle-là. Et avec ça sur la rentrée.com. Parce qu'il fallait des bâtons de 36 grammes ou 40 grammes. Donc moi j'ai trouvé que 36. Donc j'en ai pris. Et du coup il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. 12 et il en fallait 10 il me semble. Donc j'ai pris le stock. Et ils doivent tout emmener à l'école. Donc hop hop, ça c'est vide. Ces baskets pour la rentrée. Si vous avez un Auchan par chez vous, il y a des super offres sur les baskets. Celles-là, normalement, elles sont. Alors, ça se casse la fille. Normalement, elles sont à 15 € et elles passent à 9,99 €. Il y a une promotion dessus en ce moment. Donc, du coup, ça fait que j'ai acheté deux paires et j'en ai une gratuite. Donc, lui, il met du 32. Et il a 9 ans. Donc sa deuxième trousse, c'est exactement la même. Celle-là, elle vient de chez Cdiscount. Le deuxième petit chiffon. Et dans celle-là, il fallait mettre un crayon papier, un stylo rouge, un stylo vert, un Velleda, un taille crayon et une gomme. Hop. Là, les deux autres boîtes à mouchoirs. Elles viennent de, je crois, chez Action, les boîtes à mouchoirs. Une autre pochette de crayon couleur. Un classeur jaune parce que monsieur voulait du jaune. Il m'a dit, maman, tu me trouves un maximum de jaune pour la rentrée. Les intercalaires. Et une ardoise. Voilà pour Antonin, le plus grand des garçons. Je vais hop, ranger comme ça vite fait. Je rerangerai après mieux. Pour libérer parce que j'ai presque plus de place sur ma caméra. Ah, c'est pas que j'ai plus de place, c'est qu'elle n'est pas rechargée. Donc hop. Alors, pour sa tenue de rentrée scolaire, je ne sais pas quel temps qu'il va faire, donc si jamais il y aura un coupe-vent. Il aura le maillot que Rachel lui a offert. D'ailleurs, Rachel, je te remercie beaucoup. Donc, c'est Rachel qui lui a offert. Pandora, il lui a appris en 10 ans. Oh, il y a une petite saleté là. Hop là. Il y avait une petite saleté. C'est un petit bout de stickers qui est collé derrière. Je sais pas d'où ça vient. Donc voilà. Avec, il mettra un petit pull gris. Molletonné.
qui vient de chez Kiabi. C'était 5 euros chez Kiabi, ça c'est un basique. Le Mickey, bah, je ne saurais pas vous dire d'où il vient puisque c'est pas moi qui l'ai acheté. Et là il y a marqué Mood of the Day. Voilà. Et le jean, il vient de chez Auchan. Et pareil, vous en achetez 3 et le troisième était à moins 40%. Donc j'ai pris du 10 ans parce qu'elle a des grandes jambes, mais elle a pas beaucoup de fesses. Mais ces pantalons-là sont bien parce qu'ils sont réglables. Et ça, c'était à l'unité 7,99€. Donc voilà pour Antonin. Pour le deuxième, c'est Jocelyn. Jocelyn, il voulait le cartable de Mbappé. Donc au mois de juin, non, ou juillet, je sais plus, j'ai commandé le cartable de Mbappé. On l'a pris sur AliExpress. On l'a payé, il me semble, 20€. Et je vais vous montrer pourquoi on l'a payé aussi cher. Alors, hop. Les mêmes chaussures que son frère dans une autre version, une autre couleur. Il y avait plein de modèles différents. Donc ils ont tous le même modèle, je veux dire, mais des couleurs différentes. Lui, il met du 30. Donc vous entendez peut-être un peu la chipie. Donc lui, il a dedans un sac à goûter, je crois. C'est un petit sac glaciaire isotherme. Donc il y avait en fait pour 20€, vous aviez le cartable, le sac glaciaire, et je vais vous montrer la grande trousse comme ça. Donc il est super habile. Et donc lui, c'est pas sa liste de fournitures scolaires, donc dans son sac, il a rien. Il a sa tenue de rentrée scolaire, donc le même pantalon que ses frères, mais en bleu, et lui c'est en 8 ans. J'ai pris les mêmes affaires, mais en couleurs différentes. Il voulait à tout prix un pull orange, parce que moi j'en ai un orange fluo et il l'adore. Alors c'est exactement le même pull que son frère, mais en jaune, en orange moins flashy, parce que j'ai pas trouvé en orange flashy. Et le t-shirt de Rachel. Il n'y a que Valentin du coup qui n'aura pas le t-shirt de Rachel parce que elle lui avait pris un 8 ans et du coup il flotte vraiment dedans. Donc du coup tant pis, Jocelyn aura les deux t-shirts de Rachel. Et Valentin, je lui ai racheté un autre t-shirt pour la rentrée scolaire. Donc ça c'est pour Jocelyn. Donc lui Jocelyn c'était rapide. Et alors Valentin, cette année, il demande un cartable, donc il a un petit cartable, alors qu'il rentre en grande section. Jocelyn rentre en CE1, je vous ai pas dit, et on n'a pas la liste de fournitures scolaires. Donc lui, c'est le petit cartable basique, on l'a payé 8€ chez Auchan, ils étaient en promo, et c'était le dernier qu'il y avait, donc on lui a pris, c'est pareil, il est super content. Il y a une petite pochette juste là, et là, quand vous l'ouvrez, vous avez une pochette là, et deux grandes pochettes, et je crois qu'il y en a une. Il y en a une autre. Donc il est plein de petites pochettes, donc c'est génial. Donc les mêmes chaussures que ses frères, mais dans une couleur. Il lui faut un gobelet avec son prénom. Donc il avait celui-là à la maison que sa mamie lui avait offert. Donc hop, on lui met. Il s'appelle Valentin, oui. Et il a 5 ans. Il rentre en dernière année de maternelle. Alors ça, c'est sa tenue de rentrée scolaire. On va la montrer après. Il lui fallait des chaussons pour le sport. Donc on a pris ça. Il lui fallait un tablier pour la peinture. Donc ça, j'avais trouvé ça dans les soldes à Auchan. Donc je lui avais pris. C'est du 6 ans. Ça lui servira peut-être l'année prochaine. Il demandait des pansements, donc là vous avez tout le nom, hein, tant pis. Des pansements à découper. Il demandait un rouleau de sopalin. Deux boîtes à mouchoirs, qui viennent de chez Lidl je crois. Et lui c'est tout. Et hop. Donc lui il a un petit polo comme ça, que j'ai pris chez Auchan et que j'ai payé 5,99€. Voilà. Je lui ai pris un petit pull bleu comme ses frères en 6 ans. Et le petit pantalon bleu, voilà avec, comme ses frères. Et voilà pour la petite vidéo Back to School. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous. Thank you.
Recoucou, en fait, j'ajouterai à la partie juste qui est avant. J'avais oublié la petite, parce que ma petite rentre à l'école dès tout petit, dès 2 ans. Et il manquait son back to school à elle. Donc je vais vous montrer le deuxième t-shirt qui était pour Valentin normalement, mais qui est 8 ans, qui taille vraiment trop grand. Donc c'est pas grave, Jocelyn s'en servira pour l'instant. Et quand il sera en âge, il les récupérera Valentin. Pour Maïline, elle a pris un petit t-shirt comme ça, poupée LOL, licorne. Bon, du coup, elle, je vais essayer, ça y fait une petite robe. Donc du coup, dès qu'il va faire beau, on va lui mettre en petite robe. Et puis l'année prochaine, bah, elle le mettra en t-shirt. Donc deux produits pour prix d'un. Ça, c'est moi qui vais y commander sur AliExpress. Donc ça fait pas partie de son back to school. Donc c'est un petit t-shirt 2 ans qu'elle pourra mettre pour son anniversaire. Et remettre après. Moi, j'ai acheté les mêmes aux garçons avec Mario et avec leur âge cette année. Donc elle, il lui faut un petit sac qu'on avait pris chez Auchan au tout début qu'ils ont mis les cartables. C'était 9,99€. Et encore, c'est pas le Auchan de ma ville, c'est dans un autre Auchan à 30 minutes de chez moi qu'il l'ai trouvé. Un petit chat licorne. Et on n'a pas sa liste de fournitures scolaires, donc, parce que je sais qu'eux, ils demandent en maternelle normalement boîte à mouchoirs. Certains demandent les sacs poubelles, parce que vu qu'elle porte encore des couches, elle peut aller à l'école avec les couches. Et il faudra qu'elle acquitte. Oui, je crois qu'elle acquiert la propreté sur l'année scolaire, donc ça va être bon. Donc du coup, j'ai pas encore sa liste de fournitures, donc je vous présente son sac et puis sa petite tenue qu'on a choisie pour la rentrée. Donc j'espère qu'il va faire beau. S'il fait vraiment beau, ça sera la robe, mais de toute façon s'il fait moins beau, ça sera ça aussi. La petite robe comme ça qu'on a acheté en solde moins 50% chez Kiabi, donc 8€, donc on y a pris en 2 ans. Avec le petit gilet, lui il était pas soldé, 7€, un petit gilet blanc comme ça, classique. Il y a des petits dessins, chut, voilà, en coton bio, c'était 6€. Et au cas où il fasse vraiment pas beau, on a prévu un petit leggings, ou sinon peut-être un petit collant fin, je sais pas. Mais je pense que pour aller à l'école, le petit leggings, c'est beaucoup mieux que le collant. C'est plus pratique pour les maîtresses qui vont les changer et tout. Et ça, c'était 4€. Donc voilà. Voilà pour le back to school des enfants. Peut-être que s'il y a vraiment une petite liste avec quelques produits à racheter pour Maïline, peut-être que je vous referai une vidéo, je sais pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée.